Honestly, don't give a about in front of me. Hey, je suis trop belle. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Avant d'éviter la vidéo, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2021, voilà, que tous les projets que vous avez se concrétisent, que vous puissiez atteindre des objectifs. Et je souhaite la santé, le bonheur, la richesse, la réussite, tout ce que vous voulez, tout ce qui est le plus positif. Everything on you, ok? Sur ma chaîne, j'ai très peu souvent testé des recettes 100% naturelles. La dernière recette que j'ai fait, c'était l'aloe vera, ça avait floppé, donc là je croise les doigts pour que ça marche. Pour la recette de Cardi B, vous aurez besoin d'un avocat, d'huile de coco, d'huile de ricin noir, un œuf et du miel. Normalement c'est tout, je crois qu'il y avait aussi une histoire de banane, mais de toute façon j'en ai pas chez moi. Donc la team, on est parti. Vous prenez ce que vous voulez qui mixe, hein, parce que si vous le faites à la main, le problème c'est que ça va sûrement laisser des grumeaux à l'avocat et we don't want that. Attends, je vais goûter vite fait, pour voir si l'avocat il est mûr. J'ai pris un morceau de pain avec, je savais que j'allais être l'avocat. Donc la team, choisissez un avocat qui est mûr quand même, d'accord, genre même en magasin, genre prenez un avocat qui est bien mûr, comme ça vous êtes sûr que ça laisse pas beaucoup de grumeaux. Hop. Yay! L'huile de carapate. Et au niveau de la quantité, je vais en mettre. On stoppe. Ouais, parce qu'elle a pas précisé les quantités, mais il faut y aller, je pense, quand même. Hein. Et encore une fois, je mesure pas. Hein. J'aime pas l'huile de coco. Hein. Franchement, j'en mets juste pour la vidéo. Hein. Mais après, peut-être qu'en mélange, ça fera du bien à mes cheveux. Je pense pas que ça suffise. Je vais en rajouter encore un peu. Ça a failli tomber sur moi. Voilà. J'espère que ça va me suffire la quantité hein, pour mes cheveux. J'ai trop peur. Oh, smooth baby, this is so smooth. Entre du guacamole. Ah, ça sent bon, non, non, en plus l'odeur de l'avocat. Ah, je donne tout, moi. Je donne tout pour l'odeur de l'avocat. Regardez la texture. Je sais déjà, ça va être un masque de ouf, ouais, je regarde. Attends, attends, je vais faire. Je viens de me laver les cheveux. On va partir sur une application sur cheveux humides, en fait. Oh là là, la texture. Il n'y a pas un grumeau dedans. J'ai l'impression de mettre une crème stylisante, quoi, pour les boucles. Look at the curves. Bon, je vais démêler. Paf. La démêlance. La démêlance en fait. Non mais je kiffe franchement le masque là déjà à première vue. Bah, au final sur mes cheveux il a même plus d'odeur. Il n'a pas du tout d'odeur. Mais il a une texture qui est so smooth. Genre qui glisse dans les cheveux. Franchement je le sens bien. Je le sens même très très bien. Donc c'est trop trop cool. Donc pensez bien toujours, dès que vous mettez un masque, à passer un peigne ou une brosse dedans pour répartir le masque uniformément sur les cheveux en fait. Yo! Attends, je vais faire l'autre partie là, en deux spies là. Ah là là, purée de pommes de terre. Ah, je kiffe la texture, c'est juste... Ah, je kiffe. Hein. Ah, franchement, je vous dis la vérité, je kiffe.
Là, on voit même que les curls, elles sont déjà bandes. C'est un truc. Il y a un truc, il y a un délire là. À vue d'œil là. Attends, je vais en rajouter un peu au niveau d'ici. Trop pour moi, ce n'est jamais, jamais, au grand jamais. Il reste encore ça. Hein. Enfin, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il reste un fond, mais un fond quand même qui est bien. Tu vois, moi j'ai utilisé la même quantité, je pense, sur mes cheveux. Je vais laisser poser le masque pendant 2-3 heures à mon avis sur mes cheveux. Je reviens vous voir après pour le résultat et vous donner mon avis. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir là, je sens bien. Je vous dis honnêtement, je sens bien. Bon, la team, si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que j'ai un voisin qui est en train de passer la débroussailleuse. C'est pas une tondeuse ça pour moi. J'espère que vous allez quand même bien m'entendre, non? Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Ah, je kiffe. Là, on sent des cheveux tellement hydratés. Là, on sent une hydratance quand même. Ah, je kiffe. Ok, Cardi B. Hey, je suis trop belle. Au final, je vais pas montrer tout ce qui est routine capillaire, etc. Parce que bon, ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo. Mais je voulais surtout vous montrer l'effet dans mes cheveux. Le masque de Cardi B est 100%, 200, 300% validé. Je suis vraiment trop contente. Donc de toute façon, quand je vais les rincer, bah, à mon avis, ils vont garder la même forme. Et ensuite, je vais enchaîner sur ma routine capillaire. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, quel plaisir. Je trouve qu'il a aussi calmé mes frisottis. Et je trouve que mes boucles, elles sont vachement plus définies. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, as usual, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, et à me suivre sur Instagram, under the flawless p. Ceux qui n'ont pas la référence, écoutez... Je peux pas rester calme on Instagram et sur Snap. Et voilà, les deux réseaux sur lesquels je suis la plus active, et YouTube bien sûr. Donc je vous fais de gros bisous, la prochaine team, et je vous dis à la prochaine. See ya, see ya.